D'ailleurs, en parlant de grimaces, est-ce que par là, alors j'ai une petite surprise pour vous. Oui, mais c'est notre assistante Inès qui va aller me ramener ça. Inès, elle va me ramener des écarteurs de bouche. Ah. Et vous allez voir. De bouche. Oui, ça sort les comme écarteurs. Ça. Ça vient de sortir de ma tête comme ça. Voilà, elle va sortir les écarteurs de bouche que j'ai dû laver et préparer avant tout à l'heure, Inès. Et vous allez voir, on va vous poser une question avec des écarteurs de bouche. Vous allez voir, c'est très drôle. Et vous allez devoir répondre comme ça. Je vais essayer ça. Le temps que c'est tout à fait ça, Inès. Passée, voilà un écarteur de bouche. Alors. Oui, c'est vrai qu'il est passé. J'y suis passée. C'était avec qui était animé ? C'était Gwendal qui était là ? C'était Gwendal. C'était Gwendal, voilà. C'est la tête de Gwendal avec les écarteurs de bouche. Excellent. Est assez phénoménale, effectivement. Alors, merci beaucoup, Inès. Mais je t'en prie. Hop. Alors, mais non, ne t'inquiète pas. Alors, en voilà un. Oh non. Oh si. Oh non. En voilà un. Et en voilà un, tu vas voir. Hop. Voilà, regardez. Madame Patachou est très habituée, hein. Très habitué, ça va, j'en ai mis qu'une fois. Hein. Ça se met comme tu le mets, hein. Ah oui, ah bon, d'accord, très bien. Ah ouais, tu le mets. Alors, ça se met comme d'habitude, ça. Normalement, c'est Gwendal qui le fait. Qui anime, donc là, du coup, ah d'accord. Alors. Voilà, qui anime. Alors, eh ben, c'est très drôle comme ça. Comme ça. Voilà. Ah là, c'est comme ça. Hein. C'est magnifique, hein. Ah, et quelle horreur. Vous n'êtes pas sur Standby. On est toujours sur. Oh là là. Alors. Quel est votre... Alors, évidemment, vous n'hésitez pas, plein de streetcaps, on lui envoie, on les envoie sur nos Twitter, sur le Google, plein de streetcaps. Profitez-en. Et pour les gens qui nous regardent, vous êtes très très nombreux dans le replay. Pareil, hein, capture d'écran, haute qualité, puis on vous envoie tout ça. Alors, vous avez vu, je parle beaucoup pour vraiment qu'il y ait plein de... Alors, votre artiste préféré, votre chanson préférée, nous demande-t-on. C'est compliqué, ça. C'est rien du tout. Ça la fait mal sur des DJ quand même. Hein. Et moi je disais j'adore Rihanna. En fait. Rihanna, ouais, très bien. On adore Rihanna, aussi. J'adore. Il fait rien avec les carteurs de bouche. Un petit extrait de Rihanna. Pardon. Excusez-moi. Pardon, un petit extrait de Rihanna peut-être avec les carteurs de bouche. Ah oui. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Très bien. Et alors le papa. L'artiste préféré du... Pardon. C'est compliqué, c'est des DJ principalement, donc... Toi, t'as bien Daft Punk. Ah oui, Daft Punk, oui, j'aime beaucoup Daft Punk. Daft Punk, c'est vrai. Alors, on va dire Daft Punk. Alors, il n'y a pas de parole dessus, je peux pas chanter. En tout cas, t'es magnifique. C'est... On est magnifique. Je vais faire un petit Daft Punk avec toi. On est magnifique, c'est de toute beauté. Et ma dignité vient encore d'en prendre un sacré coup. Alors, on nous demande, on nous parle également de tatouages beaucoup sur le chat live. Alors, qu'est-ce que c'est ? Vous pouvez les enlever, hein, vous inquiétez pas. Allez-y. Ça fait mal au fait. Ah non, le papa, il veut le laisser. Ça fait mal. Non, mais. Le papa, il est coincé, mais c'est comme ça qu'un jour. Voilà, ce sera dommage pour aller à Disney demain quand même.